Écoutons la parole adressée à nous en ce saint temps du carême par notre Seigneur et Sauveur qui, par amour, est mort pour nous sur la croix, afin que nous ayons la vie en abondance. À ce moment, des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ? Pour avoir subi un tel sort, eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'ils étaient plus capables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. » Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Du petit journal de Sainte-Sœur-Faustine. Écrit. Avant de venir comme juge équitable, j'ouvre d'abord toute grande la porte de ma miséricorde. Qui ne veut pas passer par la porte de ma miséricorde devra passer par la porte de ma justice. Satan m'a déclaré que j'étais l'objet de sa haine. Il m'a dit « 1000 âmes me font moins de tort que toi. » Quand tu parles de la grande miséricorde du Tout-Puissant, les plus grands pécheurs reprennent confiance et reviennent à Dieu. Et moi, continuait l'esprit mauvais, je perds tout. De plus, tu me poursuis avec cette insondable miséricorde du Tout-Puissant. J'ai compris à quel point Satan est la miséricorde de Dieu. Il ne veut pas reconnaître que Dieu est bon. Les plus grands pécheurs reprennent confiance et reviennent à Dieu quand ils sentent le message de la miséricorde divine. Moi aussi, je peux participer à sauver les âmes par l'encouragement des autres à la confiance. Je vais penser à qui je peux aujourd'hui parler cette bonne nouvelle de l'amour miséricordieux de Dieu. Je vais demander à l'Esprit-Saint de me donner du courage pour vaincre toute ma résistance et la peur dans la proclamation de l'Évangile sur Dieu riche en miséricorde. »
Seigneur miséricordieux, je te glorifie pour le don de ta parole qui me cherche dans mon quotidien et m'invite afin que je m'ouvre à ta présence et que je confie à toi chaque moment de ma journée. Je te remercie pour le don de ma vie, car tu m'as fait ton enfant, et en mourant sur la croix, tu m'as donné la plus grande preuve de ton amour, inconcevable et irrévocable. Je désire, en prenant Marie pour un modèle, te suivre d'une façon toujours plus fidèle. Conduis-moi, Jésus, vers le Père, qui a tellement nostalgie de moi. Ô l'Esprit-Saint, ouvre-moi toujours plus à la vie divine dans mon âme. Je te le demande par l'intercession de Sainte Sœur Faustine, qui a écrit. Cette conscience de la vie de Dieu dans mon âme est pour moi une source de bonheur et de force. Je ne cherche pas le bonheur en dehors du fond de mon âme ou de mes Dieu. J'en suis consciente. Je ressens comme le besoin de me donner aux autres. J'ai découvert dans mon âme la source du bonheur, c'est-à-dire Dieu.